Quelque part dans ce coin-là. Là. Puis ben, ça fait que ça allume ma lumière. On
voit rien parce que la tourtelette est trop en bas. Creuse. Ben, trop creuse, c'est ça. OK. Mais quand on la collait après la boule ici, ben, ça faisait un super bel effet, mais malheureusement, on n'a pas pu se permettre ça. Non, ça, je suis pas franchement. Ben, je te montre. Non, non, j'ai vu, mais. OK, tu fais juste peser sur un bouton. Ouais, ben, point. Les petites boules, ben, c'est des baies en bois que j'avais chez nous. que j'ai pris du plastic wood, puis j'ai fait m'intoxiquer avec ça. J'ai touché les trucs du plastic wood, j'ai sorti, j'ai mis une couche d'après, puis j'ai mis trois couches de peinture dorée. Donc c'est facile. Ah oui, la boule à ici, ben, j'ai trouvé ça dans un dépanneur aux États-Unis. Puis dessus, il y avait un joli logo, qui était marqué Struggle Ball dessus. Puis là, c'était comme wow. Une grosse tache blanche. Fait que j'ai pris du dissolvant vermis à ongles, puis j'ai tout enlevé ça. Puis le set tel quel, il se détache en trois parties pour que ce soit facile à transporter. Ben non, je vais pas le détacher parce que ça pas. Est-ce que c'est vissé? Ouais, attendez, là, c'est parce que comme c'est vissé très bien. C'est un truc en métal que tu peux trouver entre autres chez les. Non, c'est parce que c'est super le vis. C'est genre deux vis en métal que tu mets dans le bois. Ouais, je sais pas exactement comment ça s'est arrangé, mais vous voyez, là, c'est... C'est des vis à pattes de chaise ou à pattes de meubles. Ça se trouve dans des quincailleries. Il y a vraiment, il y a un trou et un truc en métal qui sert à... qui va se planter dans une des parties de bois, qui même des fois du vis. T'en as un autre, t'as comme une vis qui mord dans le bois, puis t'as une vis qui mord, une vis à métal normale à l'autre bout. Puis, on a aussi, ça faisait partie de mon question aussi. C'était des boucles à ceinture que ma mère a fait depuis longtemps aussi. Elle a un peu arrangé avec un marteau parce qu'elle était juste un peu plus ovale. On a cousu comme un morceau de tissu blanc ici pour cacher la bonne pointe, ça s'appelle. Ouais. Puis, alors, on l'a cousu à l'intérieur vraiment. Fait que nous, nos costumes, c'est à peu près ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas compté le temps, ça aurait été trop déprimant. Ouais. Parce que si on compte toutes les tests avec les gants, du coup, ça fait. Ouais. Fait que, est-ce qu'il y a des questions? Combien de temps vous planifiez pour faire ces costumes-là? Ben, nous, je pense qu'on choisit sur un coup de tête, puis on change 3000 fois. Fait qu'au début, on voulait faire. On voulait faire la Team Rocket dans Pokémon, puis après on s'est dit « on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ». Là, c'est genre deux mois, mon ami qu'on a changé d'idée. Deux mois avant la convention, on s'est dit « oh, on va faire ça, le monde ». Puis là, on était comme « oh, génial, c'est le monde ». Puis là, on a commencé, au début de l'été, on est allé acheter nos tissus. Puis c'est vers la fin de l'été qu'on a vraiment commencé à... Ouais, parce qu'on a beau dire « on va faire cet été », mais on ne compte pas faire cet été. Puis là, j'étais là, vendredi soir à minuit, en train de coudre le bout d'œil après mon tissu. Puis ça, c'était tout dans le char, là, on sait tout ce qui me restait. La perruque à elle et moi viennent d'un magasin sur eBay qui s'appelle Cosplay Way. Cosplay Way, moi je le recommande, là, c'est comme mon magasin préféré. Hein. Puis ben la fibre est super douce, super facile à peindre. Puis ben la toque elle venait avec ma perruque aussi. Ça peut s'enlever par exemple. Elle peut s'enlever, mais elle peut l'enlever. On a mis des bob pins, puis. L'affaire, c'est qu'elle s'est plus là beaucoup, fait que je vais pas l'enlever. Puis moi, c'était juste une wig blonde que j'avais déjà, que j'avais utilisée. Une blonde de Sanji. Une blonde de Sanji. Moi, c'est une wig bleue. Sanji, j'ai juste tassé la frange. Moi, c'est une wig bleue qu'on avait déjà chez nous, que ça faisait quand même que ça ressemblait. J'étais supposée faire un autre cosplay avec, mais je l'ai jamais fait vraiment, c'est genre. Une wig bleue à 2 piastres. Ah, c'est ça. Puis. Vu que mon personnage d'habitude, il a tous les cheveux, comme tous les cheveux attachés en deux couettes, ben on n'a pas pu le faire parce que sinon on voyait tout le filet puis ça faisait vraiment pas beau. Faut qu'on ait juste fait deux couettes pour faire un autre. C'est une autre question. Mais là, c'est parce que ça, c'est juste la partie de notre groupe. Fait que là, il y a deux autres personnes qui nous ont suivi la tour.